Alors, mes amis, je crois que c'est le moment de nous séparer. Adieu, commandant. Que les dieux te protègent. À la prochaine guerre. Il n'y en aura plus. Celle-ci est la dernière. Je crois que tu te fais des illusions. Les hommes trouveront toujours des prétextes pour s'entretuer. Eh ben, tant mieux. Nous pourrons combattre à nouveau sous tes ordres. J'espère bien vous revoir d'abord pour mon mariage. Dans ce cas, bonne chance à toi et à ta jeune épousée. Après les noces, j'espère que tu l'amèneras à Saqqara. Vous serez mes hôtes. Je tiens une auberge où l'on mange très bien et où on boit un de ces petits vins merveilleux. Et si tu refuses mon invitation avec tout le respect que je dois à ton grade, je te démolis le crâne, Hercule. Merci, Cléonte. Je préfère accepter ton invitation. Bonne chance à tous. Adieu. À bientôt. Je t'attends. Hein. Adieu. Au revoir, commandant. Et bonne chance. Hé, hey, bergère, appelle tes moutons. Vite, je suis pressé. Allons, dépêche-toi. Ursus, tu es Ursus. Oui, mais toi, qui es-tu? Tu ne peux pas te souvenir de moi. Je suis Doréide. Quoi, tu es Doréide? Par tous les dieux, comme tu as changé. Que fais-tu donc là? Tu vois, je garde les moutons de ces tasses. Tu te souviens certainement de cet âge. Oh, bien sûr que je me souviens de lui. Eh bien, maintenant, je lui appartiens comme ce troupeau de moutons. Tu es habillé en guerrier, Ursus? Oui, bien sûr, en voilà une question. Je suis aveugle. Il y a 3 ans, j'ai perdu quelques agneaux. Cet âne ne pardonne pas les erreurs. Que t'a-t-il fait? Il a ordonné que je sois fouettée. Et Mato s'est mis à me frapper à la tête. Il tapait avec le manche de son fouet. Quand je me suis relevée, je ne voyais plus rien. Mais je ne t'attendais pas pour te parler de cela. Tu m'attendais vraiment? Oui, je savais qu'à ton retour, tu allais suivre ce sentier parce que... parce que tu aimes toujours Athéa, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, et si je suis rentrée, c'est pour l'épouser. Non, Ursus, ne va pas chez elle. C'est inutile. Que veux-tu dire? Dans la maison de Clio, il n'y a personne. Explique-toi. Tu es un soldat courageux. Tu dois savoir rester fort dans les moments les plus difficiles. Je t'en prie, parle, Doréide. Il y a de cela 3 ans, Clio, le père de ta fiancée, fut trouvé tué d'un coup de poignard. Et Athéa? Elle a disparu. On n'a plus jamais entendu parler d'elle. Comme si la terre brusquement l'avait engloutie. Mais c'est impossible. C'est ce qui s'est passé, tu peux me croire. Mais attends, laisse-moi continuer. La veille du jour où sont arrivés les 2 grands malheurs dont je viens de te parler. Cétas avait reçu dans sa maison 2 hommes étrangers. J'étais déjà aveugle à ce moment-là. Heureusement, j'ai très bien entendu leur voix. Et plusieurs fois, j'ai pu les entendre. J'ai bien remarqué qu'ils avaient le même accent qu'à Saqqara. Ils ont dit en partant, il ne faut pas laisser à Clio le temps de se défendre. Et l'important, c'est de ne pas faire de mal à Athéa. Je reconnaîtrai leur voix entre 1000. Et puis le plus vieux s'est levé à son tour. Quand il est passé devant moi, j'ai entendu le bruit d'un objet métallique qui tombait à terre. Quand ils ont été loin, j'ai cherché partout avec la main et j'ai trouvé ceci. Je l'ai gardé sur moi depuis ce jour-là pour te le donner. Tiens, prends-le. Puisse-t-il te permettre de la retrouver? Ces gens connaissaient cette as. C'est peu pour l'accuser, mais c'est peut-être une trace. Merci, Doréide. Tu es sûr que tu serais capable de reconnaître la voix de ces 2 étrangers? Oui, absolument. Viendrais-tu à Saqqara avec moi? Si je le pouvais, oui. Mais j'appartiens à cette tasse. Ne t'inquiète pas pour cette tasse. Mais c'est Ursus, celui dont les exploits lui ont valu le surnom d'Hercule, le héros de l'Euphrate et de Bakou. Salut à toi, Hercule. Salut à toi, cette tasse. Tu sais que tu es le bienvenu. Mais je vois qu'au lieu de te précipiter dans les bras d'un vieil ami, tu as préféré ceux d'une esclave. Non, mais tu arrives juste à temps pour me donner une preuve de ton amitié, Cétas. Je suis à ta disposition. C'est au sujet de la mort de Clio et de la disparition d'Athéa. Ah, ah, pauvre Athéa. Dis-moi qui étaient ces hommes étrangers qui, il y a 3 ans, sont d'abord passés chez toi et ensuite sont allés poignarder Clio et enlever ma fiancée. Tu dois le savoir. Qui a bien pu inventer Paris fable? Ce n'est pas une fable. Doréide a entendu ce qu'ont dit les assassins. Doréide est devenue idiote depuis le jour où... Depuis que Mato l'a fouettée. Non, elle sait très bien ce qu'elle dit. Ceci ne te rappelle rien? Absolument rien.
Cette petite vipère va payer ses mensonges. Allez, emmenez-la. Arrêtez! N'approchez pas d'elle, c'est un conseil que je vous donne. Tu es sans doute Mato, celui qui l'a frappé. Nous reparlerons de ça plus tard. Eh bien, cet as, fidèle compagnon de ma jeunesse, me diras-tu enfin d'où venaient ces deux hommes? Je n'ai rien à te dire, Hercule. Sinon que je suis l'homme le plus puissant du pays. Et je te prierai de ne pas t'interposer et de cesser de protéger les esclaves menteuses et infidèles. Tu as raison. Je sais que le témoignage d'une esclave ne peut pas te livrer à la justice et je n'ai pas encore de preuves pour pouvoir t'accuser. Mais je veux garder Doréide et je te la demande. Je suis prêt à payer le prix de son rachat. Non. Je suis riche. Je n'ai pas besoin de vendre mes esclaves. Elle te plaît d'autant que ça? Je vois que la guerre a perverti tes goûts. L'argent et la puissance n'ont pas changé ta mentalité méprisable. Allez! Saisissez-la, emmenez-la! Vous allez la laisser. Vous devriez avoir honte. Allez, filez! Tu m'excuseras, Cétas, j'ai abîmé tes précieux auxiliaires. Tu peux essayer, toi aussi, de venir la chercher. Non, tu es beaucoup trop fort. Mais je t'avertis, ce n'est que le commencement. C'est entendu. Doréide vaut plus que je ne peux payer, car les guerres n'ont jamais enrichi que les voleurs, et là, tu ne peux pas me contredire. Je me permets de te conseiller de demander aux dieux que je ne trouve aucune preuve contre toi. Bien, Doréide. Donnez-lui votre vol. Merci. Et toi, tu ne donnes rien? Un petit effort pour encourager le travail de l'athlète. Récompensez son travail, s'il vous plaît. Jamais aller dans une grande cité. Et encore ici, ce n'est que le marché des faubourgs de Saqqara. Nous irons dans la ville si nous ne trouvons pas mon ami Cléonte. Oh, laisse passer l'orage. Cette voix suave et ces aimables conseils ne peuvent venir que de Cléonte. Viens, je vais te présenter un ami. J'ai un petit travail pour toi. Ouvre tes oreilles, ça n'est pas difficile. Vers savoir, vieille canaille. Oh, oh Hercule, oh, un fils d'un dieu païen. Ah, j'espérais pas te revoir si vite. Je suis bien content. C'est vrai ce que tu dis là? Ah, si tu me crois pas, je te démolis le crâne. C'est bon, je te crois et moi aussi, je suis bien c'est content. C'est ton épouse? Non. Ça fait rien, puisqu'elle est avec toi, c'est une amie. Silence, moto, silence, chéri. Écoutez-vous tous, regardez bien cet homme et que son nom reste dans vos mémoires, il en vaut la peine. C'est lui qui sait, c'est Ursus, le grand Ursus, le héros d'innombrables batailles, l'homme le plus fort du monde, celui qui a été surnommé Hercule par ses compagnons d'armes. Il m'a sauvé la vie en Macédoine, et aujourd'hui par tous les dieux, il est là, chez moi. Il a transformé cette modeste auberge en un temple de la gloire. Alors, mes amis, nous allons tous boire à ses santés. Si jamais j'en bois, dites-moi pas. Tu lui démolis le crâne. Exactement, ça, je lui démolis le crâne, comme tu dis. Alors, vite, merci à moi. Ah, vous êtes tous mes invités. Buvons ensemble à la santé de mon ami.
Oh, Dieu. Il faudrait un héros chez Cléon tous les jours. Hé, Cléon, je ne crois pas que ton ami est aussi fort que tu le prétends. Ce chimpanzé est sûrement là de vivre. Tu crois pas qu'il a exagéré un peu? Peut-être. Tu es libre de croire ce que tu veux. Candidat au suicide, écoute mon conseil. Va boire la coupe qui t'attend et va-t'en. T'inquiète pas comme ça, patron. Je ne veux pas défigurer ton protégé. Je voudrais seulement savoir s'il saurait faire ce que je fais moi. Si tu veux bien, nous verrons ça plus tard. Vous avez entendu? Si le patron ne nous avait pas affirmé à l'instant qu'il s'agit d'un héros, nous serions en droit de penser qu'il a peur d'essayer. Oui. Non, mais je ne tiens pas à me donner au spectacle. Eh bien, moi si, c'est mon métier. Et si tu es aussi sûr de ta force, et pourquoi ne viens-tu pas te faire aussi admirer par tous ces gens? J'en ai assez, Calais. Reste là, Doréine, ne bouge pas. Alors, que faut-il faire? Ah, comme ça, ça va. Bravo, je ne sais pas si je pourrais réussir, mais enfin je vais essayer. Et voyons ce que tu sais faire maintenant. De Doréine. Lâche! Comment te sens-tu? Tu as eu peur? Non, ce n'est rien. Elle est courageuse. Tu crois pas que ce serait le moment de me donner quelques explications, hein? Mais oui, bien sûr. Voilà, j'étais justement venu pour te demander de m'aider. Ils ont essayé d'enlever Doréine. Parce qu'elle seule peut me permettre de retrouver Athéa. Je cherche deux hommes que je n'ai jamais vus et qui sont les assassins. Comme tu l'as peut-être remarqué, Doréine est aveugle. Ah, par tous les dieux, je m'en étais pas rendu compte. Oh, je suis désolé, Doréine. Mais elle a entendu leur voix. C'est un indice, si on veut, la voix. Ce n'est pas le seul indice. Regarde. Observe bien, ça appartenait à l'un des deux hommes. Peux-tu me dire ce que ça représente? C'est pas la première fois que je vois ça. Je crois qu'il s'agit d'une divinité. Mais je peux pas me rappeler laquelle. Hein? Dans la cité, j'ai un vieil ami qui est très savant, puis un autre qui envoie des caravanes dans le monde entier. Je demanderai à ces deux-là. Merci, tu es un ami.
On arrivera bien à savoir ce que ça représente. En attendant, considère cette maison comme la tienne, tu m'entends? Je vais revenir au plus tôt. Ou bien je te ferai appeler. Merci. On aurait dit une bête en furie. On ne pouvait rien faire contre lui. Vous étiez bon à rien. Des incapables, c'est tout. Je devrais vous faire fouetter. Mais c'était deux. Et il y avait Cléonte aussi. Eh bien, vous étiez cinq. Dépêchez-vous. Suivez-le. Et ne le perdez pas de vue. Allez-vous-en. Ursus. Ursus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bien toi, Ursus. Oui, que me veux-tu? Ton ami Cléon te fait prévenir que tu dois aller le rejoindre tout de suite à Saqqara. Tu entreras par la porte orientale. Tu iras tout droit pendant un moment et tu le trouveras à l'angle de la première rue. Qu'y a-t-il, Ursus? Rien, ne bouge pas. J'ai perdu un ami fidèle. Mais il m'a laissé un message. Je jure de te venger. C'est un piège, mais nous sommes à l'abri pour l'instant. Et où sommes-nous? Je ne sais pas, ça ressemble à un petit temple. Reste là. Ne crains rien, vieillard. Je suis entré pour protéger ma vie et non pas pour attenter à la tienne. N'y a-t-il pas d'autre porte de sortie dans cette pièce? Non, la seule sortie, c'est celle-là. Qu'est-ce que c'est? La déesse Zas. Zas? Il y a le cadavre d'un homme dans la ruelle. On l'a poignardé parce qu'il avait un médaillon qui représentait cette effigie. Oh, laisse-moi, je ne sais rien. Je te jure que je ne sais rien. Je suis un pauvre vieillard, je n'ai rien fait. Lâche-moi, je t'en supplie. C'est lui, j'en suis sûre. Celui qui avait perdu le médaillon. Je reconnais sa voix, c'est lui, je le sais. Assassin, au secours, Karim! Que se passe-t-il? Il l'a perdu dans ton pays, c'est vrai. Mais comme tu vois, je l'ai retrouvé. Alors c'est toi qui as tué le malheureux qui est dans la ruelle. Oui, et c'est ton tour maintenant. C'est toi qui as enlevé Athéa et qui a poignardé son père. Oui, c'est lui. Je reconnais sa voix. Oh, un témoin encore. Je l'éliminerai en son temps. Je commencerai tout d'abord par toi. Oui, Hercule, épargne un vieillard. Je te ferai fuir si tu veux, je t'avouerai tout. Parle et ne mens pas, je te le conseille. Derrière la statue de Zas, il y a un passage secret. Continue. C'est vrai, c'est moi et Karim qui avons enlevé Athéa, la fille de Clio. Où est-elle? Est-elle encore vivante? Je crois que oui. Nous l'avons remise à un marchand qui devait s'appeler Kimos. Et où est ce Kimos? Il a une maison sur le fleuve, tout près des montagnes brunes. Je ne sais rien de plus, je te le jure. Où est le passage secret? Là, derrière. Lève cette table. Vite! Où sont-ils? Je ne sais où pas. Où sont-ils cachés? Parle, Mireto! Je ne sais pas. Eh bien, je vais le faire parler, moi. Alors, Mireto, où sont-ils? Il y a un passage secret. Ils se sont enfuis par là. C'est toi qui leur as indiqué le passage? Ils voulaient me tuer.
Et tu leur as dit toute la vérité, naturellement. Pour sauver ta tête. Mais... Fais attention, la route est très dangereuse. Mais tu sauras vaincre tous les obstacles, j'en suis sûr. Eh bien, entre donc. Fais comme si tu étais dans ta propre maison. Doyle. Maintenant, il faut que tu sois raisonnable et que tu obéisses de bonne grâce. J'ai compris. Tu me laisses ici. Oui, c'est mieux pour l'instant. Et puis, tu n'es pas seule. Il y a des femmes et des enfants. J'ai l'impression que ce sont de braves gens. Je ne peux pas te faire retourner au village. C'est assez serré de se venger sur toi. Et si tu venais avec moi, tu courrais d'autres dangers. Je reviendrai te chercher bientôt. Je ne me pardonnerai pas s'il t'arrivait quelque chose. Ne me laisse pas. Sans toi, je n'ai plus rien. Mais ici, tu es en sécurité. Que m'importe d'être en sécurité si je me doute que tu cours les pires dangers? Doreline. Pardonne-moi. Tu voudrais retrouver Athéa, je comprends. Tu es une jeune fille merveilleuse, Doreline. Alors reviens bientôt. Cela du moins, je peux te le demander sans honte. Reviens bientôt. Ne t'inquiète pas, Doreline. Au revoir. C'est comme lorsque j'ai perdu mes yeux. C'est la même solitude. La même peur. Surtout, prends garde à Kimos. Viens, étranger. Qui que tu sois, tu es le bienvenu dans la maison de Kimos. Qui est-ce? Il me semble que tu n'attendais pas cet hôte, Kimos. Il aura pourtant le même accueil que tous mes invités. Sous mon toit, il y a de la place également pour lui. C'est toi, Kimos, le marchand? Oui, c'est moi, mon jeune ami. Si je peux t'aider de quelque manière, j'en serais trop heureux. Tu le peux. Et je te conseille de répondre sans détour, tu pourrais t'en repentir. Mais pourquoi devrais-je mentir? Tu connais ça? La déesse Zas. Tu admets que tu connais cette effigie-là? Comment pourrais-je l'oublier, étranger? Elle est pour moi un symbole de haine et de douleur. Un jour, les prêtres de Zas ont enlevé ma fille. Maudit lâche, brute sanguinaire, ma pauvre petite Leda. Pour retrouver ma fille Leda, j'aurais donné toutes mes richesses. Mes carrières de pierre orifère, cette maison, tout. Malheureusement, depuis 2 ans, je ne sais plus rien d'elle. Mais toi, est-ce que par hasard, tu ne serais pas des leurs? Pourquoi cette question? Si cela est, tu ne sortiras pas vivant d'ici. Assure-toi, Kimos, je n'ai pas à cacher plus longtemps qui je suis. Je m'appelle Ursus. Ursus? Celui qu'on nomme Hercule? Le héros de Bakou et de l'Euphrate? J'ai entendu parler de lui et de ses exploits. Il ne peut pas être un des grands prêtres de Zas, ni un des hommes de l'île maudite. Alors, Hercule, que veux-tu de moi? Comment es-tu en possession de ce médaillon? Je vais retrouver une jeune fille qui fut enlevée par les prêtres de la déesse. Ce médaillon a été perdu par l'un d'eux. Tu es déjà sur leur trace? La piste m'a amené jusqu'ici. Pourquoi ici? Parce qu'on m'a dit qu'on t'avait remis cette jeune fille. Mon pauvre ami, on s'est bien joué de toi. Mais ils ont commis la pire des fautes en t'envoyant ainsi chez moi. Peut-être croient-ils que je me suis résigné à accepter la disparition de ma fille. Eh bien non. Vois-tu, ce jeune homme, il était le fiancé de Leda. Le malheureux, depuis 2 années, parcourt les mers lointaines sans désespérer. À la recherche de cette île. Et tu as trouvé où elle est? Malheureusement, non. Mais j'ai appris que cette île était gouvernée par une reine très cruelle, que ses envoyés parcourent le monde pour enlever des jeunes filles vierges qui sont destinées à des sacrifices. Peu d'hommes ont réussi à aller sur cette île, et ces malheureux ne sont jamais revenus. Veux-tu te joindre à nous, Hercule, pour aller sur l'île maudite? Je suis prêt à partir tout de suite. Enfin, voilà que l'espoir est revenu éclairer mon cœur. Musiciens, à vous! Nous allons pouvoir préparer le voyage. Assieds-toi. Comment te dirais-je toute ma gratitude? Au plus profond de ma douleur, j'attendais confusément le miracle de ta venue. Nous réussirons dans notre entreprise. Et bois, ami. Bois à notre solide alliance. Et à notre succès. Ce qu'il s'est fait. Allez, au mur, vous autres. Allez, plus vite.
La mort pour celui qui bouge. Allez! Bouge et ne t'arrête pas comme ça! Mon pauvre ami. Tu vois ce qui arrive aux curieux qui veulent découvrir le secret de l'île de Zas? Parce que cette île de Zas n'est pas une fable, elle existe. La reine existe, ainsi que les vierges qu'on sacrifie. Ils existent aussi, les grands prêtres, dont je ne suis qu'un humble représentant. Elle était très belle, ta fiancée. Elle s'appelait Athéa, autant qu'ils m'en souviennent. Elle m'a rapporté beaucoup d'argent. D'ailleurs, tu vas m'en faire gagner aussi, parce que j'avais fait un pari avec Cétas. Et je ne regrette pas de payer. Cétas! Ah, Hercule, je me doutais un peu que tu serais ici. Mon ami Kimos, dont l'imagination est inépuisable, a voulu parier que son esprit génial l'emporterait aisément sur ta force. Il a gagné. En venant d'ici, nous avons trouvé cette pauvre fille qui mourait d'envie de te retrouver. Je te l'ai amenée, Hercule. Tu me paieras tout ça un jour. Non, je vais m'amuser un peu. Et que me donneras-tu pour ça? Je suis un marchand. Cette fille! Regarde-la bien. Elle est aveugle, mais son corps et son visage méritent attention, non? Aveugle, une expérience nouvelle. Elle n'est pas digne de toi, Kimos. J'accepte l'échange. Donne-moi ça. Il y a bien longtemps que j'attendais ce moment. Va-t'en, je m'en occupe. Allez, tourne la meule, esclave. Allez, allez, tourne. 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 Alors, ne t'inquiète pas. Ton héros a la peau dure. Allez, plus vite! Arrêtez! Il va tuer tout le monde! Maîtrisez-le! Moi, je connais la route. Je peux t'aider à retrouver Athéa. Tu ne veux pas? Je n'ai pas confiance en toi. Tu as tort. Tu sais bien que tu as besoin de quelqu'un pour te guider. Il n'y a que moi qui puisse t'aider à traverser le désert. Tu ne peux pas avoir peur d'une femme sans défense. C'est bon. Je vais te mettre à l'épreuve. Et ne t'avise pas de nous tromper, surtout. Que tu es sans nouvelles d'Athéa. Et tu es encore amoureux d'elle? C'est pour cela que je suis ici. Et cette petite, qui est-ce? Elle s'appelle Doréide et c'est mon amie la plus fidèle. C'est une esclave! En effet, elle l'était, mais j'ai racheté sa liberté. Si c'est pour te conduire de cette manière, tu peux retourner d'où tu viens. Et qui te conduira vers l'île de la déesse? Salut. Salut à vous tous. Myriam. Myriam. Bonjour, étranger. Bonjour. Ces deux femmes ont besoin de se reposer après des jours de marche. On doit partager l'eau et l'ombre dans le désert de pierre. Merci. Magali, accompagne-la. Est-ce que tu vas loin? Vers la côte, à l'Orient. Rares sont les hommes qui ont pu traverser ce désert. Oui, je le sais, vieillard, mais j'ai une mission à remplir, et les dieux m'aideront. Elle est aveugle? Oui, mais elle voit ce qu'elle veut voir, mieux que toi. Tu en veux encore? Non, merci. Non, l'eau vous est nécessaire pour le voyage. C'est vrai, mais si tu as encore soif,
C'est une chance de vous avoir rencontré. Où est-ce que vous allez? Nous allons à Saqqara, nous sommes des gitans. Ah, tu es gitane? Alors tu prédis l'avenir et tu sais tout de l'amour et de la fortune. Oh, je sais tout ce que les dieux permettent de savoir aux mortels. Alors, dis-moi ce que tu vois. Tu es mon hôte, Magali, et je voudrais que quand arrivera l'heure, tu quittes l'ombre de notre tente sans rancœur. Ne fais pas tant d'histoires, que vois-tu? Je vois que ton cœur est dur et froid. Il est aussi froid que ton corps est souple, chaud et sensuel. Tu es ambitieuse, égoïste. Cela n'a rien à voir avec mon avenir? L'avenir dépend généralement de ce que nous sommes. Il n'y aura jamais aucun amour dans ta vie. Tu as peur de la mort et pourtant tu fais ce qu'il faudrait éviter pour en éloigner l'échéance. Ah, tiens, voilà ce que tu mérites, espèce de menteuse! Assez, Magali! Tu viens de prouver que Myriam a tout à fait raison. Si tu veux changer ton destin, essaie d'abord de te changer toi-même.
peu d'eau qui restait revenait de droit à Myriam et à son père. Et pourtant, elle a tenu à partager avec nous. Elle a bon cœur, Myriam. Oui, nous en avons à peine pour deux jours. Espérons que nous pourrons trouver un puits. Hercule, Hercule, par pitié. Crois-tu vraiment qu'il s'enfuirait si tu le déliais? Peut-être pas, mais il vaut mieux ne pas courir de risques. Seuls, nous nous perdrions dans le désert. Où pourrait-il bien aller? Tu sais qu'il doit souffrir beaucoup, ligoté comme il est là. Bon, c'est pour toi que je le fais. Tu veux te reposer un peu? Non. Je veux continuer. Une gorgée, mais pas davantage. Il n'y en a presque plus, tu comprends. Si j'en prends trop, arrête-moi. C'est bien. Et toi? Tu n'as pas bu, Ursus? Non, je boirai tout à l'heure. Je n'ai pas encore soif. Tiens, mais ne bois qu'une seule gorgée. Conduis-toi en homme pour une fois. Non. Non, j'ai soif. Une seule gorgée, assez. J'ai eu tort de te détacher, j'étais sûr que je le regretterais. Oh, malheur à toi. Par ta faute, je suis en train de mourir comme un chien. Et je veux pas mourir, je veux pas mourir. Tu ferais bien de te taire, cet as. Oh non. Je sais, je me suis mal conduit, c'est vrai. Je reconnais. Allez, remonte à cheval et tiens-toi tranquille. Tu pourras continuer? Je pense que oui. Je m'en veux, Doreid. Je n'aurais jamais dû accepter de t'entraîner dans cette aventure. Pardon. Jamais je ne te laisserai. Quoi qu'il arrive, Ursus. C'est l'île de Zas, là-bas. Enfin. À trouver sur cette île. Dis-moi ce que tu vois. Il y a des fleurs magnifiques et beaucoup de petits oiseaux aux couleurs vives qui se confondent avec elles. C'est beau comme un jardin des dieux. Un ruisseau. Tu entends? L'eau jaillit en cascade et on dirait qu'elle chante. C'est peut-être le paradis. Oui, le paradis. Allons, venez. Où nous emmènes-tu? Suivez-moi.
Général, nous avons irrémédiablement pénétré sur le territoire de la déesse Zas. Pourquoi dis-tu cela? Parce que nous avons franchi maintenant la frontière sacrée et que même si tu voulais retourner en arrière, tu ne le pourrais plus. Je veux continuer à avancer. Tant mieux. Et je te réserve la plus grande surprise que tu aies jamais eue. Viens. D'abri où tu puisses m'attendre en sécurité. L'endroit le plus sûr, c'est près de toi. Venez. N'aie pas peur. Tu as une force exceptionnelle. Tu es capable de mettre 20 hommes hors de combat pour défendre Doréide. Et tu dois reconnaître que j'ai fait l'impossible pour t'empêcher de venir jusqu'ici. Les dieux en sont témoins. Mais, je suis ton prisonnier. Je suis bien obligé de t'obéir. Garde donc tes discours, cet as. Je veux atteindre mon but et je n'ai pas de temps à perdre. Ne t'éloigne pas trop. Ne crains rien. Je ne veux pas me priver de certaines satisfactions. Ah, la voilà, ma vengeance. Comme tu vois, c'est moi qui triomphe et tu vas me payer ce que j'ai supporté. Du calme, Cédars. J'ai hâte de l'amener vivant au palais. Toi, enchaîne-le solidement. Enchaînez-le. Mais tu ne sais pas qui est cet homme. C'est Hercule. Que m'importe qui il est. Oh, tu vas regretter ce que tu es en train de faire. Je ne crois pas, parce que j'ai des ordres précis te concernant. Enchaînez-le aussi. Mais vous êtes devenu fou. Lâchez-moi. Quand la reine apprendra cela... Eh bien, tu te trompes, Cédars. C'est la reine elle-même qui m'a donné ses ordres. Eh bien, quand elle m'aura entendu... Elle changera d'avis. Il n'est pas possible de l'enchaîner. Voyons, Hercule est un grand soldat. C'est le héros de Bakou et de l'Euphrate. Ah, on m'a donné des ordres. J'obéis et fais comme moi. En avant, vite! Et moi, je... Attendez-la. Alors, tu ne t'attendais pas à ça. Ce sont des esclaves. Des esclaves. On ne les traite pas avec beaucoup d'égard. Eh bien, tu vas probablement subir le même sort. Dans le meilleur cas, naturellement. Tu arracheras les pierres aurifères aux entrailles de la terre pour le temple de la déesse Zas. Doucement. Nous t'offrons, ô toute-puissante Zas, le corps de cette guerre, sacrifié en ton honneur. D'autres sacrifices ont précédé celui-ci, d'autres le suivront. Que soit faite la volonté de Zas. Qu'est-ce que c'est que ce chant? Je ne sais pas. Une vierge a été sacrifiée à la gloire de la déesse Zas. Les sacrifices sont nombreux d'ailleurs. Zas est insatiable. Et la condition principale, c'est que les victimes soient belles et jeunes. Peut-être bien que ton Athéa a subi le même sort. Et je crains fort que la pauvre Doréide n'ait à le subir aussi. Tu es contente de l'avoir amenée jusqu'ici? Silence, Cédas. Yeah.
En ma qualité de grand prêtre de Zas, il m'incombe de t'informer de la décision du Conseil sacré. Notre verdict est le suivant. Pour avoir passé outre la volonté de la déesse, pour avoir profané la terre sacrée de Zas, les deux prisonniers sont condamnés à la peine de mort. Ils seront exécutés devant la statue de Zas et leurs corps seront brûlés. Leurs cendres sacrilèges seront dispersées. C'est ainsi que périssent toujours tous les ennemis de Zas. Non, un moment. Écoutez-moi. Doréide n'est pas venu de son propre gré. C'est moi qui l'ai obligé à me suivre. Il faut l'épargner. Non, Ursus, non, je ne veux pas. Moi seul, selon la loi de Zas, mérite la mort. Assez. Doréide esclave doit mourir. Laisse pas parler, cet homme. La mort pour Ursus. La mort pour Ursus. Sommes pas ici pour l'écouter. Je pense que maintenant tu connais le verdict. Emmenez-les. Sans crainte si je ne devais pas te voir partager mon sort. Non, n'ai aucun regret. Je suis heureuse d'être près de toi, et plus encore en ce moment. Attention! Attention en position de tir! Prêt! Arrêtez! Ne tirez pas! L'exécution est suspendue. Ordre de la reine. Je suis chargé de lui amener le prisonnier Ursus. Déliez-les. C'est scandaleux. Une fois de plus, les décisions du Conseil sont lettres mortes. Nous condamnons deux étrangers à la peine de mort et la reine non seulement les épargne, mais elle fait emprisonner Cétas. Un ami si fidèle. La reine prétend qu'il a amené exprès cet homme jusque sur l'île. Moi, je crois que c'est plutôt une bonne excuse pour arriver à éliminer l'un de nous. Oui, c'est cela. Elle veut s'en débarrasser parce qu'elle en a peur. C'est Hercule qui doit mourir. C'est ce que nous avons décidé et c'est ainsi qu'il en sera. C'est vrai. C'est notre devoir. Oui, nous devons faire respecter la loi. Nous ne tolérons pas ça. Oh, vous vous agitez inutilement. Essayons d'abord de savoir quelles sont les intentions de la reine. Vous êtes irritable et impulsif comme des enfants. Tu te moques de nous. Tu sais faire de belles phrases. Nous commençons à te connaître. À présent, dis-nous si tu es avec nous ou si tu es avec la reine. Je saurais répondre sans réfléchir à cette question délicate énoncée en termes si laconiques. En tout cas, pas maintenant. La reine arrive, justement. Nous sommes réunis comme tu en as exprimé le désir. Les prisonniers vont répondre aux questions que tu voudras bien leur poser. Ô voix de Zas. Celui-ci est Ursus de Méléto, plus connu sous le nom d'Hercule, soldat et homme libre. Cette fille est Doréide, esclave du chef de village Cétas. Maintenant, tu peux les interroger. Tu as parcouru un long chemin et vaincu de nombreux obstacles, étranger, pour arriver jusqu'au rivage sacré de cette île. Pourquoi as-tu supporté tout cela? Je suis venu pour chercher une jeune fille qui fut enlevée sur votre ordre grâce à la complicité d'un homme du nom de Cétas. Comment s'appelait cette jeune fille? Athéa, fille de Clio, le grand sculpteur assassiné la même nuit par les ravisseurs. Athéa,
Et pourquoi tu risquais ta vie pour la retrouver? Eh bien, parce que nous étions fiancés. Nous devions nous marier quand je rentrerai de la guerre. Si je comprends bien, tu l'aimes encore. Et pourtant, tu es partie à sa recherche en emmenant avec toi une autre jeune fille qui est, à ce que je vois, jeune et belle. Non, reine. Je ne suis qu'une humble esclave. Et je suis aveugle. On dit que le temps qui passe change souvent les sentiments et les pensées des humains. Toi, au contraire, tu es fidèle à tes souvenirs. Je regrette, Ursus. J'aurais voulu pouvoir te sauver. Mais les grands prêtres t'ont déjà condamné à mort. Or, selon la loi de mon île, le pouvoir des serviteurs de Zas est absolu, et plus encore celui du grand prêtre. Nous admirons toujours ton infinie sagesse, ô fille chérie de Zas. Fille chérie et voix de Zas, voilà exactement ce qu'il faut dire, Mok. Zas a tout pouvoir sur les choses et les hommes, sur tout ce qui se trouve sur son territoire, y compris la reine et les prêtres. C'est par conséquent à Zas, à elle seule, que nous demanderons si cet homme doit être condamné à mort ainsi que l'esclave aveugle, selon le rite antique et sacré. Daigneras-tu te servir de moi une fois encore pour exprimer clairement ta volonté? Voici la réponse de la déesse, la flamme verte. Zas accorde la vie. Grâce pour Ursus. Zas! 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 Un instant, fille chérie de Zas. Tu dois écouter également notre voix. Nous n'avons pas interprété de la même façon que toi la flamme qui annonçait la volonté de Zas. Nous n'acceptons pas ton verdict. De qui parles-tu, Nizam? Réponds. Qui n'est pas d'accord? Tous les prêtres du conseil. Même Mok. Est-ce vrai? Devant la grande Zas, devant vous tous, je demande encore, est-ce vrai? Fille chérie de Zas, je pense que Nizam, notre frère, a perdu l'esprit. Tes paroles, Nizam, sont ridicules et indignes d'un prêtre de Zas. Tu viens de te conduire comme un rebelle et un parjure. Tu sais le sort qui t'attend. Il va falloir vous séparer. Je dois conduire la jeune fille dans l'aile du palais, destinée aux femmes. Fais-lui tes adieux. Je vous dirai plus tard qui est cet homme, quel héroïque soldat il a été. On dit qu'il est ici par amour pour Athéa, mais comme vous voyez. Nous pouvons considérer nos souffrances comme terminées. Je l'espère, du moins. Mais si nous ne nous revoyons pas, rappelle-toi ceci. Tu seras toujours dans ma pensée, Doride, et dans mon cœur. Si tu retrouves Athéa, je te souhaite d'être heureux. Adieu, Ursus. Non, ne me dis pas adieu. Hercule. Il faut venir. Merci. Entre. Eh bien, c'est magnifique. Ah, enfin un vrai lit où je vais pouvoir me reposer. Elle est féroce, ta souveraine, mais elle traite bien ses hôtes. C'est moi qui serai ton gardien et j'aurai des hommes de confiance avec moi. Comment t'appelles-tu? Adolfo. Pourquoi me traites-tu en ami? Parce que je connais et j'admire ton courage. Écoute-moi. Ne te fie ni au prêtre de Zas, ni à la reine. Tu vas peut-être te dire que je suis un traître, mais quand tu sauras, tu comprendras.
Cette île est un lieu de douleur et de haine. Beaucoup parmi nous sont mécontents. Tu pourrais nous aider, moi et mes compagnons. Tu crois? Et comment? Je t'expliquerai plus tard. Que Zaas te protège, étranger. Que venez-vous faire? T'apporter le salut de la reine et te prier un entretien privé qu'elle voudrait avoir avec toi ce soir dans ses appartements. Elle te parlera d'Athéa. Ses servantes vont prendre soin de toi. Je n'ai vraiment besoin de personne pour ça. Si tu refuses, la reine nous punira. Laisse-les faire, je t'en prie. Un moment. Pourrais-tu me dire où est la jeune fille qui était avec moi? Oh, n'aie pas peur pour elle. Notre reine a donné l'ordre qu'elle soit traitée avec beaucoup d'égards. Allez, Arve, c'est encore trop beau pour une esclave. Allez, habille-toi. Où suis-je? Ursus. Et Ursus. Tu peux toujours l'appeler, hein? Il a bien autre chose en tête en ce moment. Ton héros, il va passer la nuit dans les bras de la reine. Dépêche-toi! J'ai pas de temps à perdre, moi! Je sais ce que tu vas me dire. Le conseil des grands prêtres n'est pas content de moi. C'est exact. Et toi aussi, tu es, disons, un peu inquiet. En effet. Tu penses que je cours un grand risque et que je ferais bien de ne pas donner suite à mon caprice. On pourrait croire que tu lis dans mes pensées. Bon, je te suis très reconnaissante de tes conseils et je te prierai de me laisser seule. J'aimerais éclaircir la situation entre nous. Comment cela? Je ne suis pas jaloux, n'est-ce pas? Ou du moins maintenant, je ne le suis plus. Il me semble te l'avoir prouvé. Oh, en fait, tu ne m'as jamais aimé. En moi, tu as cherché surtout une complice. Disons plutôt, une alliée. Tu es l'homme le plus puissant et le plus riche de cette île. Alors, que veux-tu de plus? Je veux la mort d'Hercule. Mais la déesse Zaas a ordonné qu'il reste vivant. C'est une interprétation toute personnelle. Et si les soldats et les esclaves apprenaient par hasard que tu as désavoué les prêtres, menti en lisant l'oracle pour sauver la vie de cet homme, ils pourraient se révolter. J'ai pensé à cela, je te remercie. Demain, je fais sacrifier deux vierges. J'assisterai d'ailleurs à la scène. Tous ces fanatiques dépravés aiment ces cérémonies. Ils me suivront sans hésiter une fois encore. Alors c'est irrévocable. Tu ne veux pas qu'on l'exécute, tu es bien décidé. Je t'ai dit que non. Je sais que tu veux le recevoir dès ce soir. Je t'en prie. Renoncer. Et tu dis que tu n'es pas jaloux. C'est bien. Je ne le recevrai pas. Du moins ce soir. Je sais bien où tu veux en venir, mais je ne permettrai jamais qu'un autre me remplace. Comment peux-tu l'empêcher? Hercule est grand, jeune et beau. Il est fort, comme un demi-dieu. C'est ce que nous allons voir. Tu as peur de te salir les mains avec l'or? Fais le travail, dépêche-toi! Un jour. Cette nuit, on me conduit au puits de la mort, et demain... Maudit soit-il. Je les abattrai tous, j'abattrai la reine aussi. Je ne veux pas que tu meurs, Phyllis. Oh, mon amour, je suis désespérée, moi aussi. Mais nous n'y pouvons rien. Je te sortirai de là. Je sais qui peut nous aider. Cet étranger venu du désert, Hercule. Ils ont amené sa compagne pour trier l'or avec nous. Elle doit mourir demain aussi. La pauvre petite, elle est aveugle, mais ça leur est égal.
L'esclave aveugle aussi? Regarde là, tu la vois. C'est bien elle. Il faut que je prévienne Hercule tout de suite. Aie confiance en moi. En faisant exécuter l'un des prêtres, la reine a voulu donner un exemple de sa puissance. Mais pourtant, nous ne tolérerons pas que notre autorité soit bafouée. Hercule doit mourir. Mais comment? Tu vas le tuer? Tu vas l'empoisonner? Un peu de patience. Aucun de nous ne lèvera le doigt contre le héros. J'ai trouvé l'instrument de notre vengeance. Tu as réussi à convaincre la reine? Voici de nouveau parmi nous un ami loyal et sûr, un fidèle serviteur de Zas, qui a failli mourir comme le plus humble des esclaves à cause d'un misérable soldat surnommé Hercule. Attention, les sentinelles. Sois tranquille, je t'ai déjà dit que j'avais des amis parmi les soldats. Nous pouvons avoir confiance en eux. L'important est d'agir vite. Avoir lieu avant une heure. Et ceux-ci, tu les connais? Oui, je les connais, mais je n'ai pas confiance. Tout à l'heure, tu m'as dit que tes compagnons d'armes étaient prêts à... Bien sûr. Nous sommes nombreux déjà. Mais pas assez pour pouvoir lutter contre ces fanatiques. Viens. Vous ne pourrez donc jamais arriver à reconquérir votre liberté. Il y a quelque chose qui pourrait renverser la situation le jour de l'attaque. Les esclaves? Oui, Hercule. Les esclaves compléteront le nombre. Doréide. Doréide. Ursus. Phyllis. Phyllis. Adolfo. Adolfo. Surtout, n'ayez pas peur. Nous trouvons le moyen de vous libérer. Ne perds pas courage, Phyllis. Hercule est avec nous. Il nous aidera. Si Hercule est là, je n'ai plus peur. Je suis rassurée. Non, ne risque pas ta vie pour me sauver. Elle est plus importante que la mienne. N'aie pas peur, Doréide. Nous vous sortirons de là. Bientôt, Phyllis. Viens vite. Et maintenant, Hercule, tout dépend de toi. Dis-moi ce que je dois faire. Tu as demandé un entretien à la reine, n'est-ce pas? Non, c'est elle qui veut me voir. Ça devait être hier soir, et puis elle m'a fait prévenir qu'elle ne me recevrait que ce soir. Il faut absolument que tu arrives à lui arracher la grâce de Phyllis et de Doréide. J'espère que je réussirai. Mais si elle refuse? Alors, à ce moment-là, il faudra se décider et risquer le tout pour le tout. De cette île, c'est toi? Ursus, enfin tu es là. Mais enfin, c'est une hallucination. Je suis venu ici parce que je croyais tes jours menacés, et toi, tu... Tu m'as retrouvé. N'est-ce pas pour cela que tu as lutté si durement? Je suis près de toi, tel que tu m'as laissé il y a 3 ans. Non, tu es maintenant la reine de cette île. Mais je t'aime encore. Jamais je n'ai cessé de t'aimer, Ursus. C'est atroce, j'ai l'impression de perdre la raison. Tu dis que tu m'as toujours aimé. Tu me dis que tu m'aimes et tu me fais maltraiter par tes sbires. Tu me dis que tu m'aimes et tu as fait jeter Doréide dans le puits de la mort. Non, tu n'es plus Athéa. Je ne reconnais pas celle qui fut ma fiancée.
Je t'ai vu ordonner la mort de ce prêtre. Tu envoies sans hésitation au sacrifice les jeunes esclaves. Oui, on m'a rapporté des choses affreuses. Sur ta terrible, ton insatiable cruauté. Non, tu n'es pas la femme que j'ai aimée. Non, Ursus, tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. Mais regarde-moi. Que trouves-tu donc de changé dans mes yeux? Je t'aime, Ursus. Et je suis si malheureuse. Eh bien, parle alors. Explique-toi. J'ai besoin que tu me délivres du doute qui s'est emparé de moi. Tu sais ce qu'a fait Cétas, n'est-ce pas? Il a assassiné mon père et il m'a fait enlever. Et de ce jour maudit a commencé mon malheur. Il m'a vendue aux adorateurs de Zas, comme esclave destinée au sacrifice. Je m'étais résignée. Il n'y avait aucun espoir à garder. Mais quand j'arrivais sur cette île, Mok, déjà grand prêtre, a eu pitié de moi et m'a protégée. Par un subterfuge, il fit parler la déesse Zas. Elle prononça mon nom nettement. Depuis ce jour, je suis la reine de cette île. Je me suis efforcée de rester bonne et d'aider les jeunes filles qui, comme moi, étaient enlevées et amenées jusqu'ici. Je fais tout ce que je peux pour leur éviter un triste destin. Il faut me croire. Mais alors, pourquoi es-tu haïe de tous? De tes soldats, des prêtres? Réponds. Pourquoi? Tu ne connais pas les prêtres. Ils sont cruels et sanguinaires. Et Mok est le plus acharné de tous. Tu m'as vu ordonner la mort d'un homme. Mais pourquoi l'ai-je fait? Pour te sauver la vie. Et tu vas me le reprocher, toi, mon amour. Oh, si c'était vrai, comme je voudrais te croire. Ursus, symbole de simplicité et de candeur. Tu vas bientôt mourir. Arrête! Je veux d'abord te voir enfin humilié devant moi. Et dire que tu étais prêt à la croire. Mais regarde-la. Hein, regarde-la bien. Voilà son vrai visage. Rien que haine et férocité. Oui. C'est la vérité. Je l'ai fait enlever. Et je l'ai vendu. Mais à peine est-elle arrivée, ta bien-aimée Athéa, que voilà ce qu'elle a fait. Elle a séduit Mok. Elle aidait les esclaves. Mais qui, depuis des années, s'amuse à les torturer et à multiplier les supplices et les exécutions? Elle. Toujours elle. Rien qu'elle. Sadique. Sanguinaire et ambitieuse. Elle est sans pitié, elle n'aime que le pouvoir. Les prêtres pourraient en parler, ils la connaissent. Non, c'est faux, Ursus, ne le crois pas. La vérité te choque. Il est trop tard, Athéa. Encore toi, lâche. N'y aura-t-il pas un moyen de se débarrasser de toi? Si, Ursus. Le moyen, le voilà. Regarde, Athéa. Oui, tu es un monstre. Et à partir de ce moment, tu ne feras plus de mal. Tu répondras de la vie de Doréide par la tienne, Athéa. Oui, Ursus, c'est cela, j'en répondrai, tu as raison. Comme ça. Zas a parlé à sa préférée. Zas veut trois vies humaines. Elle demande d'abord la vie de Doréide, l'esclave aveugle venu du désert. Puis elle veut la vie de Phyllis, la vierge esclave venue de la vallée.
Puis elle demande celle de l'étranger surnommé Hercule qui a troublé la paix de l'île. L'homme devra assister au sacrifice des deux jeunes filles. Puis, sur l'ordre de notre reine, Hercule devra mourir frappé par les flèches des archers. Que s'accomplisse donc sa volonté. Faites entrer le bourreau. Thank you.
te vois, Ursus. Adolfo, nous sommes avec toi. Taisez-vous. Ursus mérite d'être gracié. Je demande grâce pour Ursus. Oui. Ah, ah, Ursus et les esclaves doivent mourir. C'est la volonté de notre déesse. Venez, c'est le moment de faire justice. Je demande le silence. L'exécuteur de Zas, le taureau sacré, a été tué de la main impure et sacrilège d'un étranger. J'affirme que la responsable a été la reine, qui, contre la volonté du conseil sacré des prêtres, a voulu garder cet homme vivant et a de ce fait permis qu'il commette ce sacrilège. Mais Zas est forte et puissante. Elle a ordonné que la reine paie de son sang. C'est fait. Regardez-la. Elle est morte parce que c'était la volonté de Zas. Elle est morte comme mourront Ursus et tous ceux qui sont avec lui. Enchaînez-le! Viens m'attraper, Mok. Mais tu ne me trouveras pas tout seul. Je m'importe ces esclaves. Et des soldats fidèles et bien armés. Dès qu'un ordre a donné, ils vous extermineront tous sans pitié. Arrête! Attendez. Nous aussi, Mok, nous nous révoltons contre l'injustice. Nous voulons enfin être libres. Vous l'aurez voulu. Exterminez-les tous! Assassin, en avant! C'est fini. Que de dangers courus, que de fatigues inutiles. Tout cela pour atteindre cette île maudite. Je courais à la recherche de l'amour. Mais le véritable amour était là, près de moi, déjà. Attention, tu pourrais te cogner, Omar. Donne ta main, Doride. J'oublie que tu n'as plus besoin de moi pour voir, n'est-ce pas? J'aurais besoin de toi.
toute ma vie.